Bonsoir à tous les gars, c'est Bexut59 et on se retrouve pour faire l'USBC de Marcos Alonso UEFA Europa League, route pour la finale. Voilà, donc il a une superbe carte à 84 et je vais le valider. Pourquoi? Actuellement je joue avec Mings qui est Scrim, mais le jour où il perd ses 90 de vitesse et 90 de physique, ça va être une chèvre. Donc autant assurer le coup. Et Alonso, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé dans tous les FIFA. Donc il y a deux défis, on récupère un pack jumbo joueur rare, donc c'est un pack à 100. C'est un pack à 100k les potes. Il y a un pack méga, j'ai juste capté, j'ai pas regardé du tout ce que c'était. Donc il y a deux défis, il y a Chelsea et Espagne. Donc comptez un bon 150 000 crédits pour le faire à l'heure actuelle. Ça peut augmenter, mais voilà, en gros ça va être 150 000 crédits. On va voir ensemble pourquoi. Il y a des critères assez chiants. Là il faut deux boosts, donc prenez Romagnoli et Casillas, c'est les moins chers du marché à 84. Deux joueurs de Chelsea, Giroud, Fabregas, ça coûte pas très cher. 5 joueurs de première ligue minimum, donc on en a 5. Une note de 84, 80 de collectif, on a 86, sachant que je n'ai que 1, 2, 3 joueurs avec la fidélité, 4 avec la fidélité, donc voilà, du coup, ça va passer assez tranquillement. Et on récupère un pack à 100k, les gars, mais j'en reviens pas, mais what the fuck. Donc du coup, au cas, vous pouvez mettre Casillas, du coup, Casillas boost, Ricardo Pereira à droite, Felipe en défenseur central avec Raúl Albiol, Romagnoli boost, voilà, c'est 19 500. Gundogan, Fabregas, Ravi Martinez, Bernardo Silva, Olivier Giroud et Franck Ribéry. Voilà, du coup avec ça on récupère le pack à 100k. Putain, j'espère qu'on va choper un truc. Franchement ça serait lourd, c'est vraiment ça, c'est vraiment un pack à 100k. On va avoir deux gros packs quoi, j'espère qu'on va avoir un petit truc, un petit joueur UCL. Allez, Espagne. Donc du coup, on va juste en mettre Ribéry à gauche. Et voilà, donc ici, maintenant, il faut... alors, Ribéry, bah nickel, t'es déjà là. Donc, il faut... Putain, je l'ai acheté en ninja, le mec, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux faire avec un Ribéry en ninja? Bref, on s'en bat les couilles. Donc du coup, il vous faut 3 joueurs UEFA Ligue des Champions rares, minimum 3. Donc voilà, je vous propose ces 3-là. 5 joueurs espagnols minimum, on en a 5. Championnat max 3, on en a 2. Une note de 84, on a 84. On peut pas descendre le collectif. Voilà, si je mets un 84 à la place de Ribéry, ça passe pas. On sera à 83 de notes. Donc du coup, ne changez pas les notes des joueurs, en tout cas. Après, vous mettez Carvajal à la droite, ou voilà, adaptez selon des joueurs que vous avez peut-être déjà dans votre club. Mais voilà, on peut pas changer. On peut pas descendre en notes, c'est vraiment optimisé. Et 85 de collectif, on a 85. Donc tout simplement, au cage, le Adan Atlético Madrid, Ligue des Champions. Sergi Roberto à droite, avec Jiménez et Savic en défense centrale. Kiko Casilla à gauche, William Carvalho en MDC avec Manu Trigueros, Ilyara Mendy, et on termine avec Malcolm, Karim Benzema et Franck Ribéry. Voilà, tout simplement les gars, et on récupère le pack méga et puis on va s'ouvrir tout ça maintenant. Allez, puis on va voir la petite animation de Marcos Alonso, mais oui. Ah, ça fait kiffer, il a une belle carte, hein, franchement. J'ai voir sa carte régulière vite fait sur le téléphone, là, on va un petit peu... ce qui prend en web, mais c'est assez violent, je pense. Alors, Marcos Alonso. Donc, il était à 82 notes. Donc là, en gros, il prend plus 2 en vitesse, plus 3 en tir, plus 5 en passe. Plus 3 en passe, pardon. 3 en passe, 3 en dribble, 2 en défense et 2 en physique. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Ça lui fait une belle carte. Et bah, je crois que je vais mettre à la place de Mings pour m'habituer à jouer avec Marcos. Donc, hop, on ira le mettre après. On va aller s'ouvrir les deux packs, les gars, donc j'espère... je vais voir s'ils ont mis dans la boutique. Il n'y a pas de pack spécial, il y a des packs à 15k, ok, donc on s'en bat les couilles. Allez, les gars, c'est parti, le petit pack. Merde. Allez, y est. Fais kiffer. J'ai pas eu d'animation depuis un moment. Ah, bah voilà, suffit de demander. Argentin, décès... Mais c'est bien, j'avais pas eu l'animation depuis un moment, donc voilà, on est content. Mais j'aurais voulu voir Messi. Ah, Messi, ça aurait été lourd. Ça peut cacher du lourd, mais Messi, ça aurait été pas mal, mais bon. On va pas arriver non plus. Otamendi, il y en a plein qui ont dû se faire avoir par du Otamendi aussi dans les packs. Donc Otamendi, c'est pas mal, parce que ça coûte un petit peu, hein. Donc voilà, ouais, du coup, ça coûte un bon 17 000. Alors, et dans les doublons, Christensen, ok, voilà. Bon, déjà, dans le premier pack, on a une animation, donc je suis assez content. Et là, maintenant, ça va être au deuxième de remplir son taf. Et de nous filer du lourd, quoi. Allez, les potes. Allez, s'il vous plaît. C'est un pack à 100k, les gars. Déconnez pas. Deux animations. Allez, du bleu. Non, pas de bleu. Alors, Croate, MC, Modric. Ah, c'est bien quand même. Mais j'aurais tellement voulu que ça soit Modric, quoi. Ça aurait été tellement lourd. Je sais pas combien il part, Rakitic. Alors, Rakitic, c'est 25 000, donc c'est pas mal, hein. Oh, nice. On a David Luiz derrière.
Ça sert toujours, un petit 4000, ok. On a Compagnie, que j'ai en doublon, donc qui risque de partir à 10 000. Ouais, en vrai, on s'en sort pas mal. Très clairement. Putain, j'ai 15 000 joueurs à envoyer en liste des transferts, mais bah écoutez, je m'en sors pas mal, je me plains pas. On n'a pas eu du sale, 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 mais vrai, ça passe. Vrai, ça passe, déjà, on a eu 2 animations, donc en vrai, rien que ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, en tout cas, j'espère que vous me dites moi si vous comptez faire le joueur, si vous comptez faire le SBC ou pas. En tout cas, c'était Max de Savona, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et like and sub!